Vous appelez comment, mademoiselle, avec le foulard bleu ? Gris, excusez-moi. Les femmes, vous aimez être précises sur les couleurs. C'est pas violet, c'est taupe. Mais nique ta mère avec le taupe, c'est violet. Donc, excuse-moi, le foulard gris, tu t'appelles ? Fatima Zahra. Fatima Zahra. Ok, enchantée, Fatima Zahra. Et vous, madame ? Sarah. Sarah, je te préfère. Donc, Sarah, Fatima Zahra, Soumaya, musulmane. Oui ? Oui, oui. Ou non, c'est... Vous êtes musulmane ou vous n'êtes pas musulmane ? Vous n'avez pas le droit de le dire. Alors, sachez que l'Européen a... On a mis un plafond en jambon. Dieu ne vous voit pas, ok ? C'est sa kryptonite, tout ce qui reste ici restera ici. On part sur ça, Sarah, Fatima. Ok ? Mais sachez que vous allez perdre des hasanats ce soir. C'est quoi, petite Babtou, les hasanats ? Non, t'es avec un azat. Les hasanats, c'est dans leur secte à eux. C'est des cartes smiles pour aller au paradis. Mais Sarah, Fatima Zahra, Soumaya, vous allez partir très léger ce soir. Ok, on part sur As. Tu t'appelles comment, mon ami ? Elias, tu as quel âge, Elias ? 9 ans ? Il faut pas baisser les yeux, il faut être fier. Vraiment, vraiment. Parce que du coup, quand t'as baissé, j'ai cru que tu regardais mon zizi. Et je me suis dit, ça va un peu trop vite entre nous. C'est maman qui est responsable ? Vous appelez comment, madame ? Soumaya. Soumaya, Elias, ce soir, il y a des choses que je vais dire qui... Il va falloir que vous expliquiez avec Soumaya. On part sur ça. Vous êtes responsable, ok ? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un caméraman qui me suit. C'est pour des questions légales, en fait. D'accord ? Vous ne pouvez pas m'attaquer, j'ai prévenu. On part sur ça, ok, Soumaya ? Parce que je vois aussi qu'il y a une femme foulardée ici, une autre ici aussi. On reste cool, ok ? Donc, je vois des personnes un peu plus âgées que la moyenne ici, avec les lunettes sur les cheveux, au cas où j'ai des poux, mais ils sont myopes. Et ils vivent dans le désert. Vous appelez comment, monsieur ? Denis, j'aimerais bien avoir des cheveux, mais... T'inquiète, j'ai des plans, j'ai des plans. Mais, ok, enchanté, Denis. Donc, Denis, si vous êtes en train de vous demander il se passe quoi, ça va être ça le spectacle, ça va être ça le spectacle. C'est-à-dire que je vais vous parler, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des blagues que je vais trouver là, d'autres que je télécharge, d'autres que j'ai écrit il y a 2 ans. Mais ça va bien se passer parce que je suis un génie. Et alors, tu pourras demander à Sarah et Fatima Zahra pourquoi vous avez des foulards. Ah, mais oui. Alors, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Si vous voulez partir, partez maintenant. C'est bon, Elias ? On est cool ? Allume un peu plus fort, Julien. Il s'appelle comment ? Toujours Blaise. Toujours Blaise, d'accord. Donc, pour rentrer, t'as fait style que t'étais avec eux. Et après, tu t'es mis avec les blancs. C'est très bien. Filme pas, poteau. Vraiment, tu sais, il était là, il a vécu le truc, ça sert à rien. C'est ton couple d'amis, là, les deux ? Ouais. Oui, c'est-à-dire c'est deux amis. Oui. Tu n'es pas avec la jeune fille. Non. Non. Est-ce que tu peux faire juste un service et te mettre entre les deux ? Pas ensemble, voilà. De quoi ? Vous deux, vous n'êtes pas ensemble non plus ? Non, parce que moi, en fait, moi, je vois blanc, noir, blanc. J'aimerais faire ça pour qu'il y ait une espèce de Oreo. À la vanille. Parce que je pense qu'à bouffer, en fait, c'est pour ça. Et comme ça, je te lèche au milieu. Non, restez comme ça, c'est cool. Non, je suis désolé parce que je prends un peu de temps pour pouvoir parler aux gens et puis je suis un connard, j'ai épuisé des clichés sur vous, les Renois et les Rebeux. Parce que là on parle dans un... Parce qu'en fait c'est le cerveau humain, il a tendance à faire des clichés parce qu'on se sent plus satisfait de nous-mêmes en étant un peu plus intelligent. Enfin, ça simplifie les choses, tu vois. Tu sais, peut-être que vous n'êtes pas ensemble les Rebeux, là. Sofiane et Amélie, vous êtes peut-être pas ensemble. Mais
Et tu vois, et j'ai cru aussi que t'étais avec la jeune fille, tu vois. Et donc là, vous trois, vous n'êtes pas du tout ensemble du tout. Vous êtes juste potes. Ouais. Ok. On dit ça, mais... Tu vois qu'il y a un couple d'Asiatiques, là. Vous appelez comment, messieurs, dames? Shin et Henri. Quel est ton vrai nom, Henri? Bunai, Shigi, Henri. Et ton passe sanitaire, il est plus validé dans 7 mois. Dis-moi le vrai nom. Chou. Chou, enchanté. Chou. Tu as applaudi, madame. Parce que tu t'es dit, il s'est dénoncé. Merci Zemmour. Non, parce qu'on a parlé de racisme ordinaire et de clichés, etc. Et tout. Et les seuls qui sont arrivés en retard, ça a été d'abord une rebeu et un renois. Et après, il y a un corps de 4 renois qui sont arrivés derrière. Comme une brochette de kefta trop cramée. Mais on va être cool. T'as desserré les bras. Ouais. Vraiment cool, parce que du coup, parce que vu que tu fais comme ça, j'ai l'impression que tu étais en train d'attacher ta teub. Je faire un nœud papillon. Ok, donc, Ethan, 14 ans, tu es venu avec tes deux parents qui sont ici, qui s'appellent Céline et Raphaël. Enchanté, d'accord. Donc, il va y avoir discussion aussi. Donc, Vivek, t'es indien. Oui. D'accord, oui, donc je ne demande pas ton nom de famille. Non, moi aussi. Non, je ne demande pas ton nom, parce qu'on n'a pas le temps, vraiment. On a vraiment pas le temps. Ouais. Il y a une baleine qui vient de mourir. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait, mon cerveau. C'est que des fois, il y a des vagues, et le temps que je te les charge, un peu comme Émule, tu vois. Je ne l'ai pas habité du coup. Ça va quoi? Je ne l'ai pas habité du coup. Alors. Tu t'appelles comment la copine de Vivek? Marie. Marie? Tu t'es mariée à Vivek? Non. Alors attends, pourquoi c'est un nom aussi dur? Non, parce qu'il y a de la violence là dans le monde. Tu t'appelles comment? Marie et Vivek. Oui. D'accord? Donc pourquoi il a bloqué? Pourquoi? Alors déjà, moi je suis stupide. Ok. Lui là, il veut mettre tout le monde dans la sauce avec lui. Il est comme ça. Lui sur Twitter, il fait hey, mettez-moi dans la sauce, tout le monde, venez. Venez. On le connaît, mais. Ah, vous le connaissez? Non, c'est. On est amis. On n'a rien à voir. Ok. Donc, quoi, l'amitié, ça tient qu'à un fil. Vraiment. Ils t'ont lâché la main de ouf. Après, je vous comprends. J'ai plus envie de lui parler de ouf. Non. Pourquoi il t'a laissé comme ça sur le côté? Tu fais très bien les trucs. Ah, excuse-moi, je t'ai touché. Excuse-moi. Non, je suis pas arrivé au temps, je suis désolé. Excuse-moi. Donc, t'es très bien toute seule. D'accord. Non, elle est pas toute seule. Celle-là. Ce soir? Ok. Pourquoi elle n'est pas toute seule? Un magnifique asiatique. Non, mais... Alors, viens, vous faites votre spectacle tous les quatre. Là. Mais juste pour que la soirée continue bien, on va dire que l'Européen, c'est une fenêtre MSN. Et que eux ont été bloqués, ça fait. Ok, si vous entendez des bruits, elle n'est pas toute seule, la magnifique asiatique, c'est un whiz, on s'en bat les couilles. Okay. En reste comme ça, on va plus leur parler à Vivek et compagnie. Oh. C'est de quelle origine, Vivek? Oh. C'est indien. Ok, indien, d'accord. Et le renoir, t'as fait tomber ton téléphone? Ok, parce que ça a fait le bruit comme si t'avais tombé ta teub de ouf. Comme ça, bon, il est 20h20, ma meuf a pris sa pilule, elle est tranquille, elle est aiguisée. Voilà, les 20 minutes avant que le Viagra héberge. Alors ma sœur, si ta main se lève, c'est pas un accoudoir. Ah ben oui, il y a bientôt les fêtes. Ouais, on est tous obligés de fêter Noël. Quelles que soient nos religions, on est obligés. C'est ouf en fait, tu vois. Parce que c'est pour fêter la naissance de Jésus.
Il s'est passé quoi pendant 6 jours? Pourquoi on compte comme ça? Tu vois? Parce que, tu sais, il y a tout à l'heure, tu sais, quand je vous parlais d'œufs fécondés, j'ai entendu des gens qui ont fait tu vois? Parce que ça, c'est encore ce white privilege-là. Même pas le white privilege. C'est une espèce de condescendance de l'Occident. Tu vois? C'est-à-dire que si c'est différent, eh ben, c'est pas bon. Tu vois? Alors qu'en France, t'as vu, vous en êtes fiers de la gastronomie. Vous avez inventé le vin et le fromage. On est d'accord que c'est à la base de produits périmés. Qu'il y a un Français qui a fait ses 35 heures. Je taffe plus sur ce jus de raisin. Oh merde, il y a un truc là. Mais tiens, bois. Et le fromage, du lait d'un autre animal éclaté. T'imagines l'agneau qui voit que vous mangez sa bouffe, mais dégoûtant. Parce que, en plus, j'avoue, c'est bon quand même. Sauf que j'étais à Lille et que j'ai goûté du maroilles. Voilà. Tu sais pas c'est quoi le maroilles, Elias? C'est du fromage à base de lait de pied. Ça pue sa race. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand j'ai yèche, mon caca a... allé faire le marathon. Non, mais ouais. Non, c'est incroyable. Mais oui, parce qu'en plus, à Noël, t'as vu, c'est là où on fait les fous, où on achète des trucs de ouf, tu vois. Le foie gras. Il n'y a que vous qui pouvez manger ça. Parce que vous êtes en train d'être dégoûté que les Asiatiques, on mange des œufs fécondés, des ovules qui sont déjà faits. Qui est le premier mec qui a voulu manger des huîtres? Il a fait, hé, t'as vu le caillou qu'il y a sur l'autre caillou, là, dans la mer? Viens, on ouvre ce caillou et on mange le molar qu'il y a dedans. Avec du citron, c'est bon? Non. Ah, faut que j'y aille, vraiment. Je suis désolé. J'invente des trucs, etc. et tout. Mais merci à vous d'avoir été là, d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous souhaite à tous une longue et heureuse vie, de prendre soin de vos âmes et de devenir qui vous êtes. Vraiment, croyez en vous.